baigner au cul de chien. Attention, ça va partir en délire. Tuk-tuk, tuk-tuk in the wild. J'ai réussi à trouver un beignet au coude de chien. Donc voilà, c'est très local. On va voir ce que ça donne. On sent les protéines. Magnifique endroit que je vais pouvoir prendre mon bain. J'apporte une touche de réalisme. Ouais, il pleut par contre. Moïse ouvre la mer. Alors là, je purifie mes pieds. Les hommes se lavent dans la, dans le courant nu. Alors apparemment ici, le mec m'a dit qu'on pouvait se... On peut boire l'eau direct. Et ça, c'est... Voilà, c'est parole de Philippin, donc je sais pas. Est-ce que je suis un vrai Philippin? Pieds nus, j'affronte les éléments. Yeah. Là on tape dans la bouffe traditionnelle là. C'est de la bouffe pas plus locale. 1€. Un peu chelou comme ça, c'est parce qu'en fait en plus de renforcer mes épaules pour la planche, en même temps en fait je prends pas de récup et je fais direct des exercices pour la stabilité et le maintien en fait de mon tronc, tu vois. N'ayant pas de ceinture lestée, j'ai dû improviser. Du coup, je fais ça au Zelastoc. C'est pas hyper agréable, mais je pense que ça fait tard. Il y a un truc qui est génial dans cette salle. C'est que les gens, ils s'entraînent, tu vois. Et à la fin, on prend un massage étirement par des gens, des meufs, tranquilles. Quand je te disais qu'on bouffait que des trucs gras, ça c'est de la banane frite, une banane frite avec de la cannelle, et on nous donne avec un coca.